La Colombie, un pays situé au nord-ouest de l'Amérique du Sud, bordé par deux mers, l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Un pays riche de sa culture, sa diversité, où l'on ressent particulièrement la vie, l'amour et la foi. Malgré cela, la Colombie a été le théâtre d'un conflit armé qui a fait régner la peur et la violence criminelle pendant de nombreuses années. Actuellement, le pays est en train de sortir de cette longue période de guerre civile. Le 26 septembre 2016, dans la ville de Cartagène des Indes, le président colombien Juan Manuel Santos et les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, signent un accord de paix qui met fin au conflit armé qui durait depuis plus de 50 ans. Les FARC, un groupe de guérilla colombien, fut créé en 1964 dans le but de mener une guerre contre le gouvernement au pouvoir en Colombie, provoquant de nombreux massacres dans différentes régions du pays. L'enjeu de l'accord est d'amener chaque rebelle à déposer les armes et à entrer dans un processus de réintégration au sein de la société. À l'issue du référendum du 2 octobre 2016, les Colombiens rejettent le texte d'accord à une courte majorité, en raison de leur désaccord sur certains points des négociations. Le 24 novembre 2016, à Bogota, un nouvel accord de paix voit le jour, apportant quelques changements et soumis cette fois-ci directement à l'approbation du Congrès de Colombie. La Colombie pourra-t-elle enfin parvenir à cette paix qu'elle recherche? Plusieurs personnes engagées dans ce processus nous partagent leurs témoignages de vie et nous parlent de leur travail, nous montrant par là une Colombie synonyme d'espérance et de paix. Bienvenue dans un pays comme la Colombie. Ici, il y a des gens bons, éduqués dans l'amour, qui peuvent apporter quelque chose au monde. Il faut que les gens puissent croire à nouveau à la Colombie. Car il y a 8 ans de cela, personne ne venait visiter la Colombie. Cela nous donne de la joie qu'on s'intéresse à un pays si méconnu aux yeux du monde, si ce n'est par la violence, et qu'on se rende compte des belles choses que nous avons dans ce pays, ma chère Colombie. Pour mettre en œuvre l'accord de paix, chacun des 7000 combattants des FARC est appelé à se rendre dans un des 26 camps de démobilisation répartis dans le pays. Avec la remise des armes, commence aussi pour eux le processus de réintégration dans la société, après parfois une vie entière passée dans la clandestinité. Cette nouvelle étape nécessite d'aborder de nombreux thèmes, le développement rural, la fin des cultures illicites comme le coca, les modalités de participation à la vie politique. Il s'agit de reconstruire un pays où plus de 8 millions de personnes ont été directement touchées par le conflit. Dans un pays comme la Colombie, ceux qui connaissent le sujet reconnaissent que sans aucun doute, le conflit dure depuis 200 ans. Le pic ayant été atteint durant ces 50 dernières années, avec plus de 8 millions de victimes. Environ 300 à 400 000 personnes sont mortes, la majorité étant des personnes civiles. Les populations qui ont le plus souffert sont celles des campagnes. Un conflit d'une telle dimension atteint forcément les Colombiens dans leur capacité à faire confiance. Avec la signature de cet accord, négocié pendant 4 ans à La Havane, capitale de Cuba, c'est également toute l'Église de Colombie qui se trouve engagée. Sa préoccupation majeure étant de parvenir à la réconciliation et à la paix. En Colombie, on cherche résolument à sortir du conflit armé. Et le président Santos a pris des risques pour cela. Il a reçu le prix Nobel de la paix. Mais pour l'Église, il faut aller plus loin. Il ne s'agit pas seulement de la signature d'un accord. L'Église veut beaucoup plus. L'Église désire une Colombie réconciliée et en paix. C'est cela le plus grand défi. Déjà, on est parvenu à signer un accord avec les FARC. Ce fut difficile, mais on y est arrivé. Beaucoup en Colombie ne l'ont pas ratifié, le référendum a échoué, le Congrès l'a accepté. L'important maintenant est de ne pas en rester là. Comment est-ce que nous créons des conditions favorables à la réconciliation, au pardon?
C'est un grand défi. Et sur ce point, l'Église peut apporter beaucoup. Initialement, la foi en Colombie est une foi catholique, amenée bien sûr par la conquête espagnole, mais qui s'est mélangée avec nos coutumes. Mais en même temps, on a reçu des prédicateurs évangéliques. Et aujourd'hui, dans un pays d'à peu près 47 millions d'habitants, nous avons 10 millions de personnes de confession chrétienne évangélique, et le reste qui sont catholiques, pratiquants ou non. En Colombie, on peut dire qu'il y a plus d'églises catholiques que d'États. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des gens très bien, des laïcs consacrés, des religieuses, des prêtres, qui assurent une présence là où l'institution étatique n'est pas présente. On le voit par exemple avec les FARC. Dans certains endroits, c'est la directrice, une religieuse, d'une petite école, dans un lieu éloigné de tout, qui commande, qui a l'autorité. Et même les chefs rebelles, qui sont pères des enfants qui étudient dans cette petite école, doivent obéir aux exigences de ces professeurs, de cette directrice de collège. Les acteurs du conflit, les acteurs armés légaux ou illégaux, ont recours à l'Église catholique. Et l'Église se fait toujours proche, et je le dis avec beaucoup de fierté. Quant à la Havane, la guérilla reconnaît cette action humanitaire de l'Église, je me dis, c'est très bien, nous faisons exactement ce que nous devons faire. L'Église joue un rôle extrêmement important, dans la mesure où nous allons nous impliquer dans chacune des 297 pages de l'accord, dans les points de l'accord qui ont été travaillés en dernier et qui ont mené à l'accord final, dont nous allons commencer la mise en œuvre. Cette année sera un temps très spécial où l'Église et le secteur religieux joueront un rôle très important et seront les protagonistes de ce processus de paix. Luis Hernando Barón Ramírez et Duban Ernesto Barato Pachón sont deux témoins colombiens au parcours très similaire. Tous deux ont fait partie de groupes armés. Luis Hernando, de la région du Caquetá, faisait partie des FARC, et Duban Ernesto, de Bogota, du groupe Autodéfense Unie de Colombie, groupe paramilitaire créé en 1997 pour combattre les FARC. Comme tous les enfants quand ils sont petits, comme tant d'autres, je n'aimais pas l'école. Mes parents étaient mariés, mais quand j'avais 5 ou 6 ans, ils ont divorcé. Et cela aussi a fait qu'à un moment donné, je suis devenu un enfant rebelle. J'ai commencé à faire ma vie très jeune, à travailler, à gagner de l'argent. À l'âge de 10 ans, j'ai eu ma première arme à feu. J'ai toujours aimé les armes, à cause des films que je regardais. Et en 1994, j'ai décidé d'intégrer les FARC. Après mon service militaire, j'ai travaillé, comme tout le monde ici à Bogota, puis je suis rentré dans la police nationale, comme gardien de la paix. C'était en 1996. C'est comme ça que j'étais informé sur le conflit armé dans le pays, sur ce qui était relaté dans la presse, également quand la guérilla prenait une ville, assassinait des policiers. À mesure que nous parvenaient toutes ces nouvelles, certains commencèrent à nourrir une certaine haine contre la guérilla, parce que nous étions convaincus que la guérilla était le mal du pays. Alors, on a commencé à être remplis de ressentiment contre tout ça. J'ai intégré les FARC en 1994. J'étais volontaire. C'est moi qui me suis rapproché d'eux et qui ai demandé à rentrer. Celui qui m'a fait rentrer m'a dit quelque chose comme « Parlez avec votre père. Si votre père est d'accord, on vous prend. Sinon, non. Et on va vous raconter comment ça se passe chez les FARC. » Et ils m'ont expliqué comment ça se passe, du lever jusqu'au coucher, ce qu'on y fait, comment on le fait, qu'il faut demander la permission pour tout, qu'on obéit aux ordres.
Et ils m'ont dit de réfléchir. J'en ai parlé à mon père. Mon père m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Le lendemain, quand je les ai revus, je leur ai dit qu'il n'y avait pas de problème, que je voulais partir à la guérilla. C'est ainsi que j'ai intégré les FARC à l'âge de 13 ans et que j'ai commencé la vie dans la guérilla. En fin de compte, c'était ma décision. Je me retrouvais là-dedans et c'est ainsi que je suis resté 11 ans dans les FARC. En 1998, je suis blessé au combat. En 1999, mon père meurt dans un massacre. Il a été assassiné dans un massacre paramilitaire. En 2000, je me retrouve en prison. Je sors 2 ans plus tard et je me présente à nouveau à la guérilla. En 2005, je prends la décision d'abandonner les armes et de me démobiliser. J'ai commencé à avoir quelques difficultés dans ma vie personnelle. De sorte qu'à un moment donné, je n'ai pas fait preuve d'une grande lucidité et j'ai dit « tant pis, il faut y aller ». Les groupes d'autodéfense les plus proches que je connaissais étaient ceux des plaines orientales. De sorte que du jour au lendemain, sans consulter personne, sans le dire à personne, je suis parti. J'abandonnais un travail dans la police, une famille, une fille qui avait 6 mois à ce moment-là. Ce matin-là, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée et je lui ai dit au revoir. Je lui ai demandé de me pardonner pour ce que j'allais faire. Mais je lui ai dit que je voulais lui laisser un pays en paix, parce que je ne pouvais pas tolérer qu'elle sorte se promener et qu'elle se fasse séquestrer par la guérilla. Et je suis parti pour les plaines, à Villa Vicencio, sans connaître personne. Et alors, on commence à entrer dans la routine quotidienne de celui qui fait partie d'un groupe armé. Alors on se dit, dans quoi est-ce que je me suis mis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que va penser ma famille? Qu'est-ce qui va se passer si je meurs ici? On se met à penser à plein de choses, mais il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Une fois qu'on était rentré dans le groupe, on n'avait pas d'autre choix que de rester. La discipline militaire, je l'avais. Ça n'a pas été difficile de m'adapter à ce régime. Mais je commençais à réaliser que les groupes d'autodéfense, eux aussi, agissaient parfois contre le peuple. Après ces expériences vécues au sein de ces deux groupes armés, Luis Hernando et Duban Ernesto ont réussi à en sortir. Tous deux travaillent maintenant à la réintégration des démobilisés et au développement de cette recherche de paix. J'ai quitté en 2005. J'ai pris la décision d'abandonner les armes et je suis entré dans un processus de réintégration. En 2006, j'ai rencontré la Fondation pour la Réconciliation, où j'ai pu vivre la méthodologie des écoles de pardon et de réconciliation. J'ai eu l'opportunité de travailler comme secrétaire du gouvernement. Après cela, j'ai travaillé dans les environs, dans la prison pour mineurs, comme éducateur. Et puis j'ai eu l'opportunité de travailler une nouvelle fois avec la Fondation pour la Réconciliation, dans un centre de réconciliation à Saint-Cristobal du Sud. C'est là que nous avons commencé à travailler, avec des communautés et des familles, avec cette méthodologie des écoles de pardon et de réconciliation. Nous travaillons avec des femmes maltraitées, qui ont été violées, avec les jeunes, les pères de famille, avec les enseignants eux-mêmes. Nous mettons aussi en place des espaces pour expérimenter la justice réparatrice. Je n'avais pas connaissance d'une proposition politique solide des groupes d'autodéfense. Il n'y en avait pas. Le discours était « on va faire tomber les rebelles, on va en finir avec le communisme ». Je crois que le fait d'avoir été dans cette région des plaines m'a permis de me rendre compte d'une autre réalité. Ça m'a permis de prendre conscience de la réalité des campagnes, la réalité des populations indigènes qui étaient obligées de courir pour échapper à la guérilla, aux groupes d'autodéfense, ou encore à l'armée elle-même. 2003-2004, j'ai pris la décision de quitter le groupe. J'ai déserté, en courant le risque qu'ils fassent de moi une cible militaire et qu'ils me tuent s'ils me trouvent. Bien conscient de ce que j'allais devoir affronter, le rejet, la stigmatisation, le regard de la société, j'ai commencé par retrouver ma famille et je lui ai dit « Vous voyez dans quelle situation j'étais ». «
Au début, ça a été très difficile pour eux d'accepter que leur fils, leur frère, leur père aient fait partie d'un groupe armé illégal, responsable de tant de morts et de tant de destructions dans le pays. C'est là que j'ai commencé ce processus de guérison intérieure. J'ai commencé à me libérer de mes colères, de mes fautes, à me mettre à la place des autres, à me pardonner à moi-même toutes les choses qui s'étaient passées, l'abandon de ma fille, la distance avec la famille, beaucoup de choses très chargées émotionnellement. Là, j'ai eu l'espace de pouvoir guérir de tout cela. J'ai pu aussi penser à mon projet de vie. Mon projet s'appelle la Fondation Retrouver la conscience. Et il réunit toutes les expériences de celui qui a été directement acteur du conflit armé. Dieu, dans son infinie sagesse, sait comment il me conduit. Nous sommes en train de chercher comment fonctionner. Nous sommes sur le point d'arriver à Villa Vicencio pour apporter aux personnes une meilleure qualité de vie. José Ricardo Tafur, né à Girardot, aujourd'hui consultant en management pour la ville de Girardot, précédemment député à l'Assemblée de Colombie et président de la Chambre de commerce, a été séquestré par les FARC en 2001. Encore une victime de ce conflit armé. La vérité, c'est que l'expérience de la séquestration est une expérience qui marque définitivement une vie et la change complètement. J'ai été séquestré en 2001 par les FARC, alors que je me trouvais dans une des propriétés de ma famille, dans le département de Tolima. J'ai été séquestré pendant 3 ans. Je suis sorti en 2004. Ce fut une expérience qui m'a permis de comprendre que la guerre est définitivement la pire expérience que puisse vivre une société. En dépit de la dureté de la séquestration, José Ricardo, grâce à sa foi, a peu à peu gagné le respect des rebelles en leur apprenant à lire et à écrire, et surtout en leur annonçant l'Évangile et l'existence d'un Dieu amour. Les premiers mois, je n'ai eu aucun contact avec les troupes de la guérilla, mais avec le temps, je me suis mis à lire. Bien sûr, j'étais enchaîné. Et quand nous sortions marcher sur les sentiers de la cordillère, ils nous attachaient à une corde pour garder le contrôle sur chacun de ceux qui étaient là. Le temps passait et un jour, les rebelles se sont rendus compte de qui j'étais, un de leur ville, de leur région. Alors, ils changèrent leur mauvais traitement en invitation à enseigner, à lire et à écrire aux troupes. Et comme j'avais la vocation de l'enseignement, je me suis proposé et j'ai enseigné aux enfants de la guerre qui étaient avec moi dans ce camp à lire et à écrire. Ils voulaient apprendre à lire et à écrire. J'ai posé mes conditions. Je leur ai dit que je leur apprendrais à écrire comme me l'avait appris une grand-tante. Les premières lettres, une belle carte qui disait « J'aime ma maman ». Ma maman m'aime. C'est ainsi que j'ai commencé à parler avec eux la langue de l'amour. L'amour dans un foyer, l'amour de la maman, l'amour de sa famille. Ils sont des enfants de guerre parce que ce sont des enfants issus de familles complètement déstructurées, des enfants qui, dans leur famille, ne connaissent que la violence. Nous avons commencé à parler de l'amour, du pardon, et finalement, ils ont demandé à ce que je leur lise ce que je lisais moi. Et de fait, je lisais souvent la Bible. Puis ils m'ont demandé de leur expliquer qui était Dieu pour moi. Parce que même quand j'étais en colère, je ne criais pas.
Je ne partais pas en courant. J'enserrais simplement un arbre parce que je ne portais pas d'armes. Je demandais à Dieu que si c'était le moment de m'en aller, que je m'en aille, mais pour le reste, qu'il me protège. Des personnes blessées pendant les combats aériens tombaient autour de moi, mais ils voyaient que je continuais à croire en la vie. Le Dieu dans lequel je crois est partout. Mais comment expliquer à des rebelles, à des hommes de combat, hommes et femmes de combat, que Dieu est partout? Alors je me suis rappelé que tous étaient des opérateurs radio et je leur ai demandé, qui est-ce qui sait manier les radiotélécommunications ici? Ils ont tous levé la main en disant, nous sommes des opérateurs radio. Très bien. Vous savez ce qu'est le spectre radioélectrique et le spectre électromagnétique? Bien sûr que nous savons par où vont les ondes et les fréquences radio. Eh bien, Dieu ressemble à une radio électrique et au spectre électromagnétique parce que ce Dieu qui est partout, ce dont il a besoin, c'est que nous lui ouvrions notre cœur. Le cœur est comme un récepteur radio et il communique avec ce récepteur. Vous vous rendez compte que j'ai donné cette explication, ces exemples, et qu'ils ont compris? C'est un beau témoignage, mais le plus beau, ça a été quand à la fin de ce temps de séquestration, au moment de retourner à la vie civile, un des rebelles m'a dit, « Mon vieux, laisse-moi ta Bible. Je veux continuer à lire et à m'approcher de ce Dieu qui t'a permis d'être 3 ans au cœur du combat et de retrouver la liberté. » Vilma Rosa Soler, née à Barranquilla, est médecin de profession. En 1990, elle s'installe à Girardot, ville située au centre du pays. En 1999, les FARC s'emparent de la ville de Villarrica, provoquant la mort de nombreuses personnes et détruisant la quasi-totalité de la ville. Vilma Rosa était présente lors de ces événements. J'ai entendu à la radio que le village où j'avais été, Villarrica, était pris par la guérilla. Il était 6 heures du matin quand j'ai entendu cette nouvelle. Ça m'a fait tellement mal, parce que j'avais tellement d'amis là-bas. Je suis arrivée à l'hôpital de Girardot et j'ai immédiatement demandé à mon chef, qui était le directeur, la permission de rejoindre le village pour venir en aide aux gens. Il a accepté et m'a aidée à apporter du matériel médical et tout ce qu'il fallait pour le village. Donc ce jour-là, nous sommes repartis à Villarrica. J'ai trouvé le village complètement détruit, dévasté par les flammes. Il pleuvait, mais malgré la pluie, des maisons étaient encore en feu. Les gens dans les rues étaient complètement déboussolés. Certains étaient blessés et n'avaient pas pu recevoir de soins. Ce jour-là, le médecin n'était pas là. Le médecin qui était à la campagne n'était pas à l'hôpital au moment où la ville a été prise. J'ai été très choquée de voir souffrir ce village, qui était un beau village, un village de gens bien, de gens joyeux, de gens travailleurs. J'ai été tellement affectée que j'ai commencé à aller de maison en maison pour demander qui avait besoin d'aide. Je crois que cette expérience a été pour moi si marquante qu'elle a déterminé toute ma vie professionnelle. Je crois vraiment que ça a été le fondement, ce qui a fait que j'ai continué à exercer mon métier en m'engageant socialement et avec la volonté chaque jour d'étudier toujours plus et d'être plus compétente pour mon travail. Je sais que tout cela, je le dois à ce peuple, qui est un peuple courageux. De nombreuses associations et organisations en faveur de la paix ont vu le jour au cours de ces 50 années de conflit. Des organisations pour la réintégration, à l'initiative des jeunes, qui se mobilisent pour faire advenir une société meilleure. C'est le cas de Central de Juventudes, centre de la jeunesse, qui forme des jeunes à travers le pays à devenir leaders de paix. La Central de Juventudes
Le Centre de la jeunesse est une œuvre au service des jeunes, fondée en 1953 par un prêtre qui s'appelait Padre Luis María Fernández Pulido, mais qu'on surnommait tous Pafer. Le Centre de la jeunesse est une œuvre d'amour pour la jeunesse, pour l'Église et pour les laïcs. Nous voulons promouvoir le pardon, la guérison et la réconciliation comme facteurs essentiels de la paix. Si tu peux pardonner, si tu peux guérir et si tu peux te réconcilier, il y a de la paix dans ton cœur. Et s'il y a de la paix dans le cœur de la personne, un changement est possible. La Bible dit « justice et paix s'embrassent ». C'est pourquoi nous pensons que cette œuvre d'amour est de rencontrer le jeune et de l'amener au Christ. Et qu'ainsi, en rencontrant le pardon du Christ, il recevra la guérison que le Christ lui donne. Il pourra se réconcilier avec son frère et avec l'Église. C'est cela le moteur du changement, ce qui conduit l'histoire. Ici, nous mettons en œuvre toutes les expériences formatrices qui aident la personne à grandir et à rencontrer le Seigneur. Dans ce sens, nous contribuons grandement à la paix. En fait, cette simple recherche pour savoir quelle est ma mission ici, et pour pouvoir, à partir de petites choses, des choses simples, considérer une personne et la mettre en valeur, c'est déjà changer les choses, c'est déjà chercher la paix. Si je m'achète une guitare et que je ne joue que pour moi, cela ne va pas porter autant de fruits que si je m'achète une guitare, que j'apprends à en jouer, et que je me force à chanter ou à me produire devant d'autres personnes pour que ces personnes ressentent quelque chose, soient touchées, se réveillent, pensent, aiment grâce à une chanson. C'est cela la paix. Ce pays a besoin de personnes qui ne font pas seulement de la politique, mais des personnes qui travaillent comme citoyens engagés avec les autres, avec cette population, ou plutôt ce peuple, qui a besoin d'un sourire au quotidien. La paix, c'est lutter pour ce que j'ai, lutter pour mes rêves, c'est marcher chaque jour sans peur de tomber, et même si je tombe, me relever. Que Dieu soit ma force et que les autres voient en moi la paix, c'est ça le plus important. Jésus a dit cette très belle phrase : vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et comme j'ai vaincu, vous allez vaincre vous aussi. C'est notre espérance, c'est ce que nous croyons. La Colombie compte plus de 8 millions de victimes, et parmi elles, des milliers, des centaines de milliers de morts, de familles meurtries, et certains sont pleins de vengeance. Il y a encore un désir de vengeance chez certains, mais chez la plupart, il y a l'aspiration à la paix. La paix qui dit « Je veux te pardonner ». Dans la lettre de Saint Jacques, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font œuvre de paix. Seigneur, nous te prions pour le processus de paix en Colombie. Nous te prions pour toutes les personnes qui ont été victimes de la guerre civile et aussi tous ceux qui ont fait le mal. Une réconciliation en profondeur puisse permettre au pays de se reconstruire dans l'unité. Que l'engagement des Colombiens pour la paix puisse être aussi une source d'espérance pour tous ceux qui travaillent pour la paix, en particulier dans les pays qui vivent actuellement un conflit armé.